Assemblée ce matin au siège de l'UFDG, les hauts responsables de l'UDG et de l'UFDG. Nous étions réunis pour décider de nouer une alliance politique très forte entre les deux partis. Cette décision a été prise à l'issue de concertations qui ont eu lieu depuis des mois entre le président Elhadj Mamadou Sylla et moi-même. Après avoir analysé la situation socio-politique, après avoir évalué l'ensemble des risques et des menaces qui pèsent sur la démocratie et l'unité de la Guinée, nous avons décidé de joindre nos forces pour apporter le changement et promouvoir ensemble l'unité nationale, la fraternité entre les fils du pays et nous battre pour l'instauration d'une démocratie apaisée et d'un véritable état de droit dans notre pays. Pour ce faire, nous allons nous concerter régulièrement pour avoir des prises de position communes face aux questions d'intérêt national, que ces questions soient de nature politique, économique, sociale ou culturelle. Et nous allons aussi, pour les prochaines échéances électorales, que ce soit les prochaines élections communales, les législatives et la présidentielle de 2020, nous concerter pour essayer de conjuguer nos efforts pour la conquête du pouvoir dans ce pays afin de répondre aux attentes de nos populations. Donc voilà un peu l'objet de la réunion et la décision qui a été prise. Très prochainement, on va vous inviter pour signer cet accord, ce protocole qui précisera les contours et les termes de cette alliance que nous avons décidé aujourd'hui de nouer. Je vous remercie.